Comment lire un livre et retenir les informations de ce que vous lisez? Il y a une grande différence entre le fait de lire pour comprendre et le fait de lire pour récolter de l'information. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous n'avez peut-être jamais vraiment réfléchi à la meilleure manière de lire. Et votre manière de lire est cruciale pour accumuler des connaissances. Beaucoup de gens confondent le fait de connaître le nom de quelque chose avec le fait de le comprendre. Prenons l'exemple de la presse écrite, apprenez-vous vraiment quoi que ce soit de nouveau en parcourant cette dernière? Considérez-vous le journaliste qui écrit comme votre mentor en ce qui concerne le sujet qui est évoqué dans l'article? Probablement pas. Cela signifie donc tout simplement que vous lisez cet article pour récolter de l'information? Cela signifie que vous allez probablement répéter ensuite ce que vous avez lu en vous appropriant le contenu comme si vous étiez celui qui a fait le travail de recherche? Il n'y a aucun mal à cela. C'est ainsi que la plupart des gens lisent. Mais en agissant ainsi, vous n'apprenez rien de nouveau. Cela ne fera pas de vous une meilleure personne et ne vous rendra pas plus compétent dans votre vie financière et dans d'autres domaines. Se contenter de lire ne suffit pas pour améliorer vos connaissances. Apprendre quelque chose d'instructif demande du travail. Vous devez lire quelque chose qui soit en phase avec votre niveau de compétence actuel. Vous avez besoin de trouver des écrivains qui sont plus érudits que vous dans un domaine qui vous intéresse. Ce n'est qu'en procédant de la sorte que vous deviendrez plus intelligent. Lire pour comprendre est ce qui permet de réduire le fossé entre le lecteur et l'écrivain. L'objectif de lecture détermine votre manière de lire. Lire le dernier Guillaume Musso, ce n'est pas la même chose que de lire Nietzsche. Si vous lisez avec l'objectif de vous divertir ou de vous informer, vous allez lire d'une manière très différente de celle qui consistera à augmenter votre degré de compréhension. Alors que beaucoup de personnes savent très bien lire de l'information ou du divertissement, il y a finalement peu de gens qui sont capables de lire pour apprendre. Il y a quatre questions cruciales que vous devez vous poser à la lecture d'un livre. 1. Quel est le sujet de ce livre? 2. Qui est-il écrit dans le détail et comment cela est-il écrit? 3. Ce livre est-il dans le vrai, ou du moins en partie? 4. Que puis-je retenir de ce livre? Si vous trouvez que cela représente beaucoup de travail, eh bien vous avez raison, c'est le cas. Et la plupart des gens ne le feront pas. C'est justement ce qui va vous permettre de vous distinguer de la majorité. Comment bien retenir les informations ce livre que vous lisez? Lire un livre et retenir ce que vous lisez demande un effort bien plus important que ne l'imaginent beaucoup de gens. Nous allons voir ensemble dans un instant la stratégie à mettre en place pour tirer le meilleur profit de chaque page lue. Avant cela, il peut être utile de rappeler certaines choses. La qualité importe plus que la quantité. Si vous ne lisez qu'un livre par semaine tout en l'appréciant et en l'absorbant totalement, vous serez déjà plus avancé que quelqu'un qui a lu la moitié de la bibliothèque sans prêter vraiment attention à ce qu'il lit. La lecture rapide ne sert à rien. La seule manière de lire plus rapidement est en réalité de lire plus. Lire rapidement ne vous permet pas de réfléchir à ce que vous lisez ni d'opérer une quelconque forme de lecture comparative. La prise de notes est importante. Un carnet de notes, des fiches cartonnées et un stylo feront très bien l'affaire. Evernote est parfait et remplit à merveille ses fonctions. Que dois-je faire avant de lire? Choisissez vos livres soigneusement en fonction de ce que vous désirez apprendre. Il n'y a pas de règle figée dans le marbre dès lors qu'il s'agit de choisir un livre. Vous n'êtes pas obligé de lire des best-sellers, des classiques ou des livres dont tout le monde dit du bien. Vous n'êtes plus à l'école et il n'y a plus de liste de lecture imposée. Le mieux est sans doute de vous concentrer sur une combinaison de livres qui 1. Résiste à l'épreuve du temps. 2. Pique votre curiosité. Ou 3. Résonne avec votre situation actuelle. Plus nous trouvons un livre intéressant et pertinent, plus nous sommes capables de nous souvenir de son contenu par la suite. Concernant les livres anciens ou ceux qui ont été traduits, vérifiez d'abord quelle version est considérée comme la meilleure. Contextualisez l'œuvre que vous avez entre les mains. Une bonne manière de commencer votre lecture est de faire quelques recherches préliminaires sur le livre qui vous intéresse. Certains livres n'ont pas du tout la même signification une fois que l'on en sait un peu plus sur la vie de l'auteur. Pour les livres anciens, essayez de comprendre le contexte historique. Pour les livres écrits dans des pays que vous ne connaissez pas bien, essayez d'en comprendre le contexte culturel. Voici quelques questions pour vous aider dans vos recherches. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit cela? Quel est son parcours? Qu'a-t-il écrit d'autre?
Où ce livre a-t-il été écrit? Quel était le contexte politique, économique et culturel au moment de l'écriture du livre? Ce livre a-t-il été traduit ou réimprimé? Un événement majeur est-il survenu durant l'écriture du livre, une guerre, une récession, un changement de gouvernement, l'émergence d'une nouvelle technologie, etc. Sachez pourquoi vous lisez ce livre. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à lire ce livre? Le divertissement. Pour comprendre quelque chose ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour être meilleur au travail. Pour améliorer votre santé. Pour apprendre une compétence. Pour créer une entreprise. Vous devez avoir une idée précise de ce que vous espérez tirer du livre. Récolter des informations qui vous sont inutiles par rapport à vos objectifs de vie est une perte de temps. Vous ne finirez jamais la lecture du livre si vous tombez dans ce piège-là. Maintenant, que faire pendant la lecture? Vous vous souviendrez mieux de ce que vous lisez si vous suivez certains principes bien précis pendant que vous lisez. Prenez des notes. Prendre des notes est sans doute le meilleur moyen de vous souvenir de ce que vous lisez. La meilleure stratégie de prise de notes, c'est tout simplement celle qui marche pour vous et qu'il vous est facile de mettre en œuvre. Vous devez créer votre propre système. Certaines personnes préfèrent prendre leurs notes sur des fiches cartonnées ou sur un carnet séparé, d'autres préfèrent utiliser un système digital. Les notes sont particulièrement utiles si vous écrivez de manière régulière, bien que les notes puissent être utiles à tout le monde. Quand je lis un livre, je suis à la recherche des éléments essentiels qui peuvent être utilisés pour créer des stratégies et des histoires. Lorsque je lis un livre, je souligne les passages importants, les sections et je prends des notes sur le côté. Une fois que j'ai fini de lire le livre, je le mets de côté pendant au moins une semaine et je réfléchis profondément aux leçons et aux histoires clés qui peuvent être utilisées pour mon objectif. J'y reviens ensuite et j'écris ces sections importantes sur des fiches cartonnées. Restez concentré. Prenez la décision que le temps que vous allez consacrer à la lecture sera un temps au cours duquel vous vous concentrerez sur le livre et sur rien d'autre. Pas de surf sur Internet et sur les réseaux sociaux. Pas de téléphone portable. Pas de télévision. Pas de regard perdu dans le vague à rêvasser. Comprendre et absorber le contenu d'un livre requiert une concentration maximale, en particulier si le sujet du livre est dense et complexe. Souvenez-vous que notre objectif ici est de pratiquer la lecture active. Lire un livre activement demande d'être concentré et d'engager une véritable conversation silencieuse avec l'auteur. Si vous avez du mal à rester concentré sur un livre particulièrement difficile ou long, prenez la décision d'en lire que 25 pages par jour. Cela ne prend que quelques minutes de se replonger dans un texte stimulant. Terminer la lecture d'un livre de cette manière peut certes vous prendre plusieurs mois, mais au moins vous aurez la satisfaction de l'avoir lu en intégralité sans vous sentir débordé ni ennuyé. Gardez des modèles mentaux à l'esprit. Les modèles mentaux nous permettent de mieux comprendre et de mieux résumer des livres. Nous pouvons les utiliser de différentes manières, dont voici quelques exemples. Le principe de Pareto, quelles parties de ce livre sont particulièrement importantes et contiennent les informations les plus précieuses? Si je devais supprimer 80% des mots de ce livre, quels sont les 20% que je déciderais de conserver? Le biais de confirmation, quelle partie du livre suis-je en train d'ignorer? Ce livre confirme-t-il ce que je pense déjà? Si tel est le cas, confirme-t-il mon opinion ou suis-je seulement en train de voir ce que je veux bien voir? Si vous ne voyez pas un seul point sur lequel vous êtes en désaccord dans le livre, le biais de confirmation est sûrement en train de perturber votre raisonnement. Mise à jour bayésienne, quelles opinions devrais-je modifier à la lecture de ce livre? Comment puis-je faire évoluer ma vision du monde en utilisant l'information présente dans le livre? Gardez à l'esprit les mots de John Maynard Keynes, « Lorsque les faits changent, je change ma manière de penser. » Et vous, monsieur, que faites-vous? Levier, comment puis-je utiliser les leçons de ce livre pour en tirer un avantage démesuré? Puis-je utiliser cette nouvelle connaissance pour la mettre en application de manière concrète? Preuve sociale, comment la preuve sociale, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires vendus, le statut de best-seller, l'opinion des autres affecte-t-elle ma perception du livre? L'auteur du livre utilise-t-il la preuve sociale pour manipuler les lecteurs? Il n'est pas inhabituel de voir certains auteurs acheter leur succès pour se retrouver sur la liste des best-sellers, ce qui leur procure de la preuve sociale et permet de faire décoller les ventes. C'est ainsi que certains livres, bien que médiocres, deviennent finalement populaires.
Arrêtez de lire un livre si vous vous ennuyez. En règle générale, les gens qui aiment la lecture ne terminent jamais un livre qui ne leur plaît pas. La vie est bien trop courte pour perdre son temps à finir un mauvais livre. Que faire après la lecture? La plupart des gens pensent que consommer de l'information revient à apprendre de l'information. C'est une idée bancale et dangereuse. Le processus de base de l'apprentissage consiste à réfléchir et à obtenir un résultat. Nous apprenons de nouvelles idées à travers les expériences que nous avons ou que d'autres ont qui restent incontestées tant que nous n'avons pas pris le temps d'y réfléchir. Si vous lisez quelque chose sans prendre le temps d'y réfléchir, alors vos conclusions seront sans aucun doute fragiles. Premier conseil, réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en application. Vous avez terminé la lecture de votre livre. Et maintenant, comment pouvez-vous utiliser ce que vous venez d'apprendre? Ne reprenez pas le cours de votre vie en vous contentant d'un vague dialogue intérieur dans lequel vous vous dites que ce serait bien de mettre en application ce que l'auteur a écrit. Prenez le temps de faire un plan et de décider comment vous allez appliquer les leçons clés du livre. Vous contenter de lire ne suffit pas. Vous avez besoin de contextualiser votre connaissance. Quand cela fonctionne-t-il? Quand cela ne fonctionne-t-il pas? Quand puis-je le mettre en application? Quelles sont les variables clés? Autant de questions dont la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Si vous pouvez sélectionner quelque chose que vous venez d'apprendre et le mettre en application immédiatement, cela renforcera votre apprentissage et ajoutera du contexte et du sens. Deuxième conseil, enseignez ce que vous avez appris. Enseigner aux autres est une manière puissante d'ancrer de l'information dans votre esprit. Partagez l'information avec votre entourage et vous gagnerez en compréhension. Une fois que vous avez terminé la lecture d'un livre, prenez la personne volontaire la plus proche de vous et racontez-lui ce que vous venez d'apprendre. Si vous ne trouvez personne intéressé autour de vous, alors faites-le seul. Et si cela ne fonctionne pas, ou si vous avez peur d'être pris pour un fou, publiez un résumé du livre sur un blog ou une revue sur Amazon. Peu importe le moyen pourvu qu'il s'y trouve des gens susceptibles d'être intéressés par ce que vous écrivez. Comme l'a écrit Schopenhauer. Lorsque nous lisons, une autre personne pense pour nous, nous ne faisons que répéter son processus mental. Pour échapper à cela, vous devez réfléchir à ce qui est écrit et élaborer votre propre vision des choses. Troisième conseil, cataloguez vos notes. Il existe mille et une manières d'organiser vos notes par livre, par auteur, par sujet, par période. Peu importe le système que vous choisissez pourvu que ce dernier vous permette de retrouver facilement vos notes par la suite. Constituer un catalogue de tout ce que vous apprenez revient à vous créer une ressource inestimable qui peut être consultée chaque fois que vous avez besoin d'une idée, d'une inspiration ou d'une confirmation. Avec le temps, vous allez vous constituer une sorte de banque de sagesse à laquelle vous pourrez vous référer en période de crise, d'incertitude ou de besoin. Difficile d'évaluer à quel point cela peut vous être précieux. Différentes options s'offrent à vous pour traiter vos notes. Avoir un classeur de fiches cartonnées, idéalement organisé par sujet, auteur ou date de lecture. Les fiches cartonnées peuvent être déplacées au besoin. Avoir un cahier de notes tout simple organisé de la même manière que précédemment. Avoir un système digital comme Evernote, OneNote ou encore plus basiquement Word. Les systèmes digitaux ont l'avantage de faciliter vos recherches, par exemple par mots-clés, ce qui représente un gain de temps parfois considérable. N'oubliez pas de prévoir une plage horaire dans votre emploi du temps pour lire et revoir les notes que vous avez prises lors de vos lectures précédentes. Quatrième conseil, relisez le livre, si nécessaire. Les grands livres devraient être lus plus d'une fois. Bien que cela puisse être considéré comme une perte de temps étant donné le nombre d'autres livres à lire, c'est une vision des choses qui ne prend pas en compte le processus d'apprentissage. Le meilleur moment pour relire un bon livre se situe juste après la première lecture de ce dernier. L'objectif, encore une fois, n'est pas de lire autant de livres que possible. L'objectif est de gagner en sagesse autant que possible. La qualité prime sur la quantité. Relire les livres qui comptent est d'une importance cruciale si nous voulons nous souvenir de leurs contenus les plus précieux. La répétition est cruciale pour construire vos souvenirs. Comme l'a écrit Sénèque en son temps. Vous devriez étendre le temps que vous passez avec les écrivains dont le génie est reconnu, vous nourrissant constamment d'eux si vous souhaitez retirer quoi que ce soit de votre lecture qui trouve ensuite sa place dans votre esprit. Les livres sont le trésor du monde et le véritable héritage des générations passées et des nations. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère que le contenu vous a apporté des réponses pratiques que vous pourrez exploiter dans vos futures lectures. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce et un commentaire en dessous. Vous pourrez également vous abonner à la chaîne YouTube Agir Plus afin de recevoir les prochaines publications. À bientôt. Qu'est-ce que